Salut à tous, c'est Adran, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Daily Run. Nous jouons Lazarus. Et on est parti, écoutez. Let's go. Apparemment c'est une run jusque... C'est Chess ça ou le Dark Room? Bref, c'est une run qui se veut aller loin quand même. Apparemment on va aller loin, donc normalement on devrait avoir, j'espère, des items plutôt potables. C'est quand même plus agréable. Et c'est parti, écoutez, voilà. Bien, on va mettre notre premier pas dans cette run. Alors, pour l'information, il est actuellement 11h30, donc il reste une demi-heure avant genre le changement de Daily Run. Du coup, je vous avoue que si je suis chaud, je vais enregistrer cette Daily Run et... Oh là, c'est le rock. Et dans l'instant suivant, genre tout de suite après, vu que ce sera sûrement midi passé, à moins qu'on mette moins d'une demi-heure à finir cette run, ce qui m'étonnerait, et bien paf, dans le tas, boum, j'enchaîne. Et je fais la daily run, comme ça vous aurez une daily run aussi demain, je sais pas, ça dépendra de mon état après cette run, si jamais elle se passe bien, si jamais c'est une catastrophe, si jamais je le sens bien ou pas, bref. J'aimerais vous parler d'un truc, d'ailleurs, je vais demander votre avis. Alors j'ai envie de changer les miniatures des daily run, voilà, j'ai envie de les changer. Le problème c'est que je suis une bite, je suis complètement une bite moi, genre en tout ce qui touche le graphisme, je suis vraiment vraiment pas et extrêmement doué. Donc je vous avoue que j'en ai préparé une nouvelle et je compte sur vous pour me dire si c'est bien ou pas. Même si je pense honnêtement que vous allez me dire que c'est de la merde. Honnêtement, s'il y a des personnes, s'il y a une seule personne qui trouve ça pas dégueu, moi c'est une victoire pour moi parce que je suis vraiment tellement une grosse merde sur Photoshop. J'ai tellement aucune idée de ce qui est bien à faire graphiquement. Je vois bien comment sont les miniatures qui marchent, vous voyez, je veux dire, dans l'ambiance graphique, mais je suis tellement nul pour les re-réaliser et je suis tellement nul pour me créer ma propre identité graphique que j'avoue que ça me désespère un peu. J'aimerais bien être doué sur Photoshop. En fait, ça me permettrait d'être tellement bien, on va dire. Genre, si j'arrive à être doué un jour sur Photoshop, ben je serais vraiment indépendant et performant. Parce que là, vous voyez, je suis indépendant mais pas performant. Graphiquement parlant, je veux dire. Oh là là, il me dit tellement l'angoisse. Voilà. Le problème c'est que moi sur Photoshop je suis une grosse merde. Et ouais, que voulez-vous, on ne peut pas être bon partout. Dans mon cas on n'est pas bon, on n'est pas bon à de nombreux endroits, mais choulououp. Écoutez, j'ai pas d'item activable donc c'est mieux que rien. Ah, le Demon Baby. Le Demon Baby qui est vraiment pas dégueu comme monstre, hein. Enfin comme familier. Honnêtement, si vous jouez un peu corps à corps, le Demon Baby il est vraiment bien. Alors soit, le problème c'est que dans une situation où j'ai envie d'avoir grid dans les salles dans les shops, le problème étant que comme vous voyez je n'ai qu'une clé. Donc ah bah voilà. Oh là là, le burst était réel. Ils ont upé Shudaoop ou quoi? Probablement que ça faisait autant de dégâts. Squeezy Tears up. Dieu sait qu'on aime ça. Oh, the pack Dark Matter. Ah oh bah là honnêtement on va se foutre à Walp. Honnêtement ça vaut le coup. Là niveau dégâts on est bien. On est vraiment bien. Donc là on aimerait bien avoir 99 pièces, hein. C'est le genre de run vous voyez où... Oh putain, non je peux pas.
99 pièces, ça fout un peu la hype. Il faudrait un peu de range aussi pour être avec vous. Un peu de range, je pense que ça ferait le plus grand bien. Ah, j'ai deux clés. On va y aller en deux ans. Ouais, voilà, j'ai bien fait. J'ai pas assez de speed. C'était évident. Un peu de range, je pense que ça me ferait le plus grand bien. C'est ce qui manque au build là. Parce que là, déjà, règle des dégâts, on est déjà pas dégueu. Carte de tarot. Après là, vu comme on est parti, j'avouerais que partir sur un petit guppy, ça me ferait plaisir. Mais là, je commence peut-être à en demander trop. Surtout que j'ai pas tant de cœur que ça. I can see forever. J'ai peut-être une connerie. Oh, je fais une connerie. Surtout que j'ai gâché ça, quoi. Là, la connerie, c'était gâcher le... Gâcher la bombe. J'ai gâché la bombe. Loki's Horn. Oh là, en plus, j'ai eu un proc du... Counterfeit Penny instantanément. Ça fait zizir. Oh, j'avoue que mon âme de joueur... veut aller chercher. Il veut complètement aller chercher le... La salle de défi. Oh oui. Oh oui, 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 oui. En plus j'ai un petit The Heart. Qui pour le coup est grave bien. Oh oui, non. Yes, yes. On se met grave bien. Un petit The Heart qui pour le coup me fait du bien. Puisque si j'ai un Devil Deal, eh ben je le trade pas avec mes cœurs bleus. Et ça, c'est grave bien. Guardi Junior. Putain, mais ils ont upé Shoudaoup ou quoi? Screw, c'est plutôt bien. Du coup, là, j'avoue que j'hésite à fouiller. Putain, la chatte que je suis quand même d'avoir une troll bombe. Pour une fois qu'une troll bombe, c'est bien. Oh, là, j'ai 4 clés. Allez, honnêtement, ça serait bien, c'est un grid. Ah, pas de grid. Pas de grid. Alors attendez, parce que là vous voyez c'est le moment où ouais c'est le moment où si je porte mes couilles sur un coup de gamble, on se met putain j'ai peur, on se met ultra bien. Voilà, oui, on se met ultra bien. J'ai vu mon counterfeit penny proc en masse et là j'ai un petit luck up. C'est mon Loki's Horn. Tu sais, j'ai zéro Loki's Horn, il proc à fond, hein, c'est ouf. Ah dommage. 4 clés du coup. J'ai une bombe. Si j'ai loot une à la fin de ça. Et non. Bon allez, celui-là. Bon, c'est peut-être pas le meilleur choix. Bon, en tous les cas, on a eu 2 pièces de plus. On a 34 pièces. Honnêtement, ça nous met plutôt bien. Par contre, j'ai vraiment le feeling qu'ils ont EP Shoudaoup de ouf, quoi. 831 de dégâts, c'est bien. Ça va être d'aller quand même relativement vite. Un coffre normal, c'est vrai qu'une bombe, non, que... Méga fatigue. Que des cœurs rouges. C'est l'étage de Dark Bomb ça. Merde. Ah, excusez-moi. J'ai entendu mon téléphone. Ah oui d'accord, c'est Samsung qui nous donne dévalue cette sync. Il n'y a plus aucun respect. De proc. Oh là là. On va là du coup. Deux troll bombes. On peut pas tout avoir, écoutez. Oui, parce que là c'est Loki's Horn qui a fait le ménage, c'est plutôt propre.
pour une fois que j'ai un Moon Eagle Power et que en plus je vais avoir des pièces, parce que d'habitude quand j'ai un Moon Eagle Power, d'ailleurs c'est un peu la dèche. Pourtant avec vous. Genre c'est la run, vous voyez, j'ai le Moon Eagle Power, mais c'est aussi la run où je ne vais pas avoir de pièces. C'est quand même un côté assez frustrant en pourtant avec vous. Je l'éclaire en folie. C'est plutôt plaisir. Le scapular qui... Le scapular c'est grave de la merde, honnêtement. Oh, what? J'aime pas ces salles, vous le savez. Les configurations de salles, celle-ci là, c'est... Pour moi c'est l'enfer. Oui, j'ai perdu beaucoup de cœur. Bêtement en plus. Toujours pas de retour de cailloux marqué. Dommage. Ah, c'est l'étage où si j'ai un Dark Bum, je suis le roi du monde. Alors, je vous avoue quand même qu'on va prendre un cœur bleu qui t'a perdu un peu de dégâts. Qu'on va regagner de suite. Écoutez, karma. Oh, les dégâts sont vraiment pas dégueux. Du coup, pige. Pyjama, je me sens cosy. Honnêtement, vu les dégâts du shoot da whoop, je vais même pas prendre Guppy's Head. Alors là, vous voyez, le Guppy, la forme Guppy est peut-être envisageable. Ce qui serait grave marrant. Honnêtement, vu les dégâts du shoot da whoop, je sais pas s'ils ont pas upé le truc. C'est vrai que sur le long terme, Guppy's Head, c'est mieux. Mais j'avoue que là, sur le court terme, genre shoot da whoop, ça fait des dégâts maintenant. Genre, c'est... Si ils l'ont EP, j'avoue que là j'aurais eu un Dark Bum, j'aurais été El Rey del Mundo, El King del World. What? Une secret room là? Elle était dans la salle de sacrifice. Ah, du coup, la Guppy's Head se pose. La Guppy's Head, c'est une vraie option, honnêtement. Là, et voilà, c'est le moment où tu regrettes de pas voler. Ah putain, là, la Guppy's Head se pose. Ouais, honnêtement, vu les dégâts que j'ai, Guppy's Head, ça va être bien. On prend le long terme. Pour le court terme, on n'a plus besoin. J'ai. Ah, Nécropolitique, ça me fait chier. J'ai 13 de dégâts. J'ai plus réellement besoin de d'aide, on va dire. Voilà, du coup on vise les mouches tueuses. Les mouches tueuses pour un maximum de dégâts sur les boss notamment. Putain, ce serait tellement ouf que j'arrive à être Guppy quoi. Ah, on est bien Nécropolis là, donc c'est le dernier étage. Le dernier étage, faut pas faire le con. Et les dégâts que je m'aligne là, avoir Guppy, ce serait ouf. Tout, j'ai une cadence de tir vraiment pas dégueu. Pour être honnête, The Poop. On n'est pas ultra passionné actuellement. Je suis à 14-22 de dégâts à Nécropolis. Là, ce qui pourrait être grave cool, c'est trouver une carte de TP. Grid. Oh. J'avoue que là, j'aurais eu un grid. Bon, mais j'ai dépensé 5 pièces. Je vais perdre 0,23 de dégâts. Tant pis. Et les dégâts que j'ai. Oh. Ça doit être interdit par la loi d'avoir autant de dégâts
Regarde mon setup, j'ai l'impression que je m'approche plus de... plus de la salle de boss que... Puberty. Plus de la salle de boss que de la seconde salle d'objet. Voilà. Carte de TV, please. Temperance. The High Priestess. Mother is watching you. War. Rip. Donc là pour l'instant je peux pas encore y aller. Il me reste 6 minutes pour trouver la deuxième salle d'objets. Sachant qu'avoir le boss rush serait quand même grave bien. Je perds juste la salle d'objets et pas trop loin. Parce que si elle est trop loin, je suis baisé de toute façon. Vraiment, on peut dire, que je suis baisé. Ah, mais les dégâts que j'ai. Oh putain, ça comme ça. Chier. En fait, c'est des mobs qui tankent. Ça rend la chose un peu chiante. J'aurais eu une carte de TP, tout aurait été plus simple. Je sais pas pourquoi je suis allé par là, j'étais oublié. Vu que c'était pas par là. Par contre, il y a peut-être la secret ici. Non. Ça m'aurait grave sauvé du temps d'avoir la secret ici. Après, le boss rush, ça peut se faire avec les dégâts que j'ai. Non, ça vaut pas le coup. Perdre plus de temps que j'en ai déjà perdu. Aïe aïe, faut que je me dépêche quand même. Parce que faut que j'aime, je batte maman d'air. Parce que c'est bien beau de. Double arrêt. Oh la salle de sacrifice. Ça par contre, ça peut être grave war, enfin vrai. Allez, un truc bien, un truc bien. La merde. RT. Allez, on se dépêche. J'aurais fait toute la zone, je serais jamais allé au bon endroit. C'est un peu la tristesse infinie quand même. Et c'est pas encore là. Voilà, je vais perdre le boss rush. Je pense que j'aurai pas le boss rush. Maintenant, je pense que je vais pas l'avoir de peu, mais... c'est pour aller plus vite. Kappa. Oh putain, une maman en plus. Au moins c'est long. Tout ça en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Ok. Oh, en plus c'est la bourse de rune, hein. Honnêtement ça peut ne pas être dégueu. Honnêtement, je pense que le détour était worth. Bon, maintenant faut que... oh putain, j'ai pas beaucoup de temps. J'ai pas beaucoup de temps. Dommage que la secrète soit pas plus... soit pas au milieu là, ça aurait été parfait honnêtement. Voilà, en vrai ça peut le faire. En vrai les gens, je vais pas vous mentir, ça peut se faire, genre je peux réussir à tuer Mom assez vite. Par contre, il faudra vite rentrer dans le boss rush parce que... et le devil deal, on verra tout à l'heure. Moi ça se fait. Tout comme ça, Bandage Girl aussi qui fait pas mal de dégâts. Voilà. Et là nous avons Isaac Steers. Non. Oh putain, que de la merde. Est-ce que j'ai pas un caillou marqué histoire de rendre ça à peu près rentable? Le pire est que la réponse est apparemment non. RT si t'es triste. Oh là là, y'a Death Touch. Alors, Death Touch. Death Touch, ça vaut de perdre 3 coeurs. Pourquoi j'ai une vie en plus? Hein? Qu'est-ce que j'ai ramassé qui me donne une vie en plus? Curse of the Unknown. Bon, à la limite, c'est pas grave, je vais juste pas me faire toucher et mon Curse of the Unknown, il ne servira à rien.
En fait, l'avantage de Death Touch, c'est que j'ai l'impression que ça augmente la portée. Alors, c'est moi qui délire. Blank Rune. Et on pourra aller à l'étage suivant, direct. Oh merde. Quand même dommage de ne pas avoir eu de Dark Bum. Ça peut être grave bien d'avoir des Dark Bum, honnêtement. Surtout qu'il y a eu des étages où on a eu tellement de cœurs, quoi. En fait, là, surtout le problème, c'est que j'ai 100% de Devil Deal, mais. Mais, genre, en tout cas, à force sacrifier de la vie que je vais peut-être plus pouvoir regagner. Hein. Donc, ça rend la chose compliquée. Est-ce que, à tout hasard. Alguise. Alors, résistance, ça me rend invincible ou pas? Oui. Le Guppy, on peut y believe honnêtement. Puis j'ai récupéré un corps rouge, n'est-ce pas? Oh putain, en plus. Oh, et Grid. Oh là là, j'ai jamais été autant heureux de ma vie d'avoir. Mais non, mais ça ne déconne, pour une fois que j'ai Grid. Ce salaud, il me file Steam Sale. Oh, mais quel enculé. C'était pour une fois que j'aurais aimé avoir une pluie de pièces. Ouais, honnêtement, Guppy est méga abordable là. Oh. J'ai deux étages pour avoir Guppy. Et dites-moi, mais je joue plutôt bien pour une fois. Pour une fois, le skill n'est pas dégueu. Conquest. Tagas. Moi j'ai un cœur en plus. Et Krampus, fallait s'y attendre. Si je peux avoir Lump of Coil, je serais heureux. Et j'ai craint. Et de craint plus. Dommage. Bon, mais tout va se jouer sur le dernier Devil Deal. Hein. Le dernier Devil Deal. Bon, déjà, il faut que ce soit un Devil Deal à cœur. Sinon, c'est la baise. Oh. Oh là là. Dans ma tête, il y a. Vous savez, pendant un instant, il y a eu. Don't stop believing. Na 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 na. Dans ma tête pendant 2 secondes il y a eu Don't stop believing. Bon, c'était pas ultra rentable sauf si on fait proc toutes les pièces. Non, probablement toutes les pièces. On en a fait proc pas mal quand même. Ce problème c'est que là je rappelle que c'est une run dans laquelle je vais aller au chest. Qu'il me faut 4. Voilà. J'ai le believe. Ah, je me suis coincé. Ah oui, merci. Merci, merci le jeu. Merci le game. Blank Rune. Et avec un peu de chance, c'est une Alguise. Il suffit d'y croire. Il faut croire en vos rêves. Il faut que vous alliez au bout de vos rêves. Tout au bout de vos rêves, où la raison s'achève. C'est une Agalas. Bon, c'est cher payé. Mais on aurait pu avoir Guppy. Oh nice. Bon, moi on a payé qu'une fois. Moi j'ai été hématémésissé. Donc en vrai là j'ai un Dark Bum honnêtement. Ça peut être grave rentable. Est-ce que si je rentre, est-ce que je rentre. Non, je pense pas. En fait, ce sera si rentable que ça. Cano. Toujours plus. Et what? Je sais plus si et what ça marche pour le. Pour la salle de. Du nouveau boss. Merde, je lui sens blaze. Bref, vous avez compris de qui je parle. Bon, là j'ai une sacrée armée de. Le seul truc qui me rendrait triste, c'est que là les mains s'écrasent sur mes mouches et du coup je les perds toutes. Blank Rune. C'est laquelle celle-là? J'ai pas reconnu le sigle. On va faire attention à ma vie quand même.
La run n'est pas terminée, Adran. Oh nice, 97 pièces. Il vit. Oups. Ouais, moi je me suis mis dans une merde. Je me suis mis dans une merde quand même. C'est bon. Bon, tout va se jouer ici. Oh là 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 là. Mais oui, c'est moi, le mignon petit chat. Ta ta ta. Et moi j'aime bien quand on prend dans les bras. Ouais ouais. Bon, j'ai pas travaillé la chanson, ça sonnait un peu dégueulasse, je pense. Mais oui, c'est moi, le mignon petit. Bon, Bob's Reign, c'est quand même moins la hype. Oh là là, par contre, le cœur bleu, c'est la hype. Le cœur bleu, c'est la hype de ouf. Oh là, ils me donnent tous. Oh, je vous aime. Bon, Bob's Reign, c'est pas la hype, honnêtement. Bob's Reign, c'est la non-hype. C'est bon, il y a une rune qui est tombée et je l'ai pas vue. Joker. Hans. Joker. Ouais, moi je tombe sur des HP up, je tente le Joker. On va pas se mentir. Surtout que je peux en trouver des HP up ici. Ah dommage, on va faire un cœur bleu. Où je vais là? Ou dans ma tête ça a pas été clair. Ou dans ma tête j'étais pas serein. Dans ma tête j'étais bourré un peu. Oula. Attention, on va perdre des cœurs bêtement. Parce que c'est pas gagné hein. Mais moi j'hésite à faire un truc assez sale là. Abel, le miroir de Buddy. Oh, j'ai un little chat, putain. Maintenant, là, c'est dommage que j'ai pas eu un combat de boss avec. Mais avec. OP Fro. Oh là là. Oh là là, le choix est dur. Que le choix est dur. Honnêtement, dommage, j'ai pas eu un Gluttony ici. J'aurais eu Gluttony. C'est quand même... Putain, non. Faut perdre de cœur sur ce boss, c'est interdit. Allez, on y go, on s'arrête plus. On y croit, deux cœurs je joue bien, c'est faisable en vrai. La hype est pas ouf là. Ah, et... ah mais c'est la mouche, putain y a une mouche, elle a décidé de péter un câble. Allez, honnêtement, on joue bien, mais on n'a pas besoin de plus de deux cœurs. Je suis bien joué. Honnêtement, avoir un HP up ici, ça me rendrait godlike. Vraiment. J'aurais un HP up, je vais cache voir ce qui se passe au Devil Deal. Putain, j'ai mis moins de 30 minutes à finir ce run quand même. C'est plutôt pas dégueu. Le livre des péchés. Il donne une lock-up. Et le nombre de mouches que j'ai quoi. Juste dommage que depuis que je suis Guppy, je me traîne un peu du boule. Honnêtement, je me traînerais pas du boule, ça serait tellement bon. Ça serait tellement bon. Ah, dommage. Ah, j'avoue que ça m'aurait hypé qu'il y ait un glouton ici. Ça m'aurait hype de ouf.
Oh, j'ai deux jokers du coup. Je peux avoir deux HP up. Tank. Au cas où je fasse vraiment de la merde, j'ai le droit à 11 vies. Qu'est-ce qu'ils font les bleus? Le punching bag qui me sert à... tout simplement attirer l'attention des monstres. Et le blue baby, c'est parti ma couille. Le blue baby qui s'est déjà bien fait arracher la gueule. Le blue baby, ah ouais, le blue baby est content d'être venu. On va juste voir ce qu'il y a au joker. Oh, des trucs pas dégueux quand même. Voilà, juste pour le principe, je prends la pute de Babylone. Parce que, voilà, pour le principe. Et ben voilà, top 300 en temps, alors qu'il est midi 5. Donc là, les classements sont définitifs. Donc c'est que c'est pas dégueu, honnêtement, voilà. Bon, en tout cas, moi, je vous fais plein de bisous. J'espère que cette daily run vous aura plu. C'était Adran. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et à laisser un commentaire. Surtout sur des daily runs de cet acabit là. J'ai déjà dit que c'était Adran. Je vous fais des bisous et je vous dis ciao les gens.